C'est trop silencieux. Où sont les frères ou les hommes de la baie? Je devrais être ravi, mon frère, mais je ressens une certaine appréhension. Quelque chose ne va pas? J'ai suivi l'abbé ici sans le quitter des yeux, mais je n'ai vu aucun des moines, ses serviteurs. Mort? Je ne crois pas, mais ce silence sépulcral ne me dit rien de bon. Où est l'abbé en ce moment? Dans ses quartiers. Viens et reste sur tes gardes. As-tu l'impression de sentir le parfum de la trahison? Pourquoi le fidèle berger salirait-il l'hérétique? Kinebert convoite le pouvoir et un rang élevé. La mort de Tenmund lui impose de les acquérir autrement. Tu penses juste. Garde les yeux ouverts et ta lame en main. Kinebert, tes invités sont là. Venez, le souper est prêt. Notre cher abbé m'a chaleureusement invité. Il m'a dit que des amis étaient avides de me voir. Il est un peu tôt pour souper, je sais. Mais la bière de Kinebert accompagne si bien l'agneau rôti et les pois aux myrtilles. Je n'ai pas su y résister. Où est mon frère? Il n'est pas ici? Mon Dieu, où peut-il bien être? Si tu la tues, nous ne trouverons jamais Sigurd. Assieds-toi, Eivor. Mange, et laisse-moi te conter l'histoire d'un homme qui parle avec les dieux. Tu te moques de moi. J'ai tué pour moins que ça. J'en suis certaine. Mais n'est-ce pas la règle dans ce triste monde? Nous éliminons les moutons et réduisons le troupeau comme nous l'entendons, toi et moi. La plupart de ceux qui arpentent cette terre ne sont guère plus que des outres de sang, de la simple chair. Mais pas Sigurd. Sigurd est autre chose. Il a été touché. Et déifié. Les dieux parlent à travers lui. Tu l'as attiré grâce à ce mensonge. Tes mots ne sont qu'artifice. Tu aurais dû écouter, Eivor. J'ai tenté de te le dire. Les dieux existent, et leur pouvoir est à notre portée. Tu ne le trouveras pas. Pas avant que j'aie eu mon content. Aux vieux amis. Elle est vraiment délicieuse, Kinebert. Y mets-tu des clous de girofle? Bien. Voilà qui conclut ce souper. Tuez-les, et apportez leur corps à mon sanctum, à Kantwarabeur. Ils seront bientôt sur nous. Il y a peut-être une autre issue. Ugh.
Fulqueux a dit que son sanctum se trouvait à Cantoirabeur. Oui, et non sans raison. Je ne m'y rendrai pas tête baissée. Elle a peut-être menti. Peut-être, mais c'est notre seule piste. J'espère que tout ce sacrifice d'innocents en vaut la peine. Il s'agit de Sigurd, de mon frère, évidemment. Alors viens, allons plonger dans la gueule de la mort. Je n'ai jamais eu envie de mourir vieux. Ce ne sera pas en vain, Eivor. Nous trouverons Sigurd. Il n'y a pas que lui. Je veux que Fulqueux souffre. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Cet endroit regorge de gens à la solde. La finesse s'impose. Ouais. Allons-y. C'est un piège. Pourquoi Fulqueux Les gardes sont vigilants par ici. C'est un appât. Elle est victime de son arrogance. Ce qui l'empêche d'envisager l'échec. Son esprit circonspect lui dit peut-être autre chose. Maintenant.
quoi que nous trouvions ici, garde la tête froide. Tu me traites comme un enfant, Basim. Je te protège plutôt comme un père. Ta faim violente ne servirait à rien. Il te reste beaucoup à faire en ce monde. Je le sais. Des énigmes, toujours et encore. Je perçois la grandeur. Ton destin n'est pas de tacher de ton sang les pierres de cette demeure divine. Toi encore. Aux armes, Basim! Allons-nous chercher des baisers. Hé, par ici! Si elle est toujours là, je raserai cette maison du Christ par le feu. Doit être le chemin vers le sanctum de Fulqueux. Alors, ici, je peux sentir la puanteur de cette femme. Aide-moi, Basim. Sigurd est ici. Ah.
Seigneur, affronte-moi! Méfie-toi, Eivor. Tu entres dans son jeu. Sigurd. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. N'importe quoi! Peut-être, oui. Une forteresse dans le Sussex. L'ordre y forme des soldats. Nous devons être sûrs. Le temps joue contre Sigurd! Il y a autre chose? Des documents qui intéresseront ceux qu'on ne voit pas. De quoi intéresser Aitam. Mais pour ce qui est de Sigurd, notre seule piste est Portchester. S'il est au fort de Portchester, il nous faudra une grande armée pour en abattre les murs. J'ai maintenant beaucoup d'amis en Angleterre. Si je les appelle, ils viendront. En effet. Basim, elle lui a tranché le bras. Est-ce qu'on peut survivre à une telle blessure ? Le corps le peut, oui. L'esprit, difficile à dire. Une telle privation peut pousser au désespoir. Si tu sous-entends qu'il se donnera la mort comme Tenmund, oublie cette idée. Sigurd n'est pas un lâche. Je dois dire aux habitants de la colonie que leur jarl est toujours retenu. Cela va leur déplaire. Nous n'échouerons plus, Eivor. J'irai en éclaireur et préviendrai la colonie quand j'en saurai davantage sur Portchester. Tiens-toi prêt.